Alors ça se présente comme ça. Je fais la démo parce que j'espère que ça va aider les gens qui sont asthmatiques et qui ne savent pas comment se servir de l'appareil. Parce que tout est en anglais et c'est pas très clair. Ici, donc on a le mode d'emploi. Et une petite grille voilà, pour noter son souffle chaque jour. Et ça, c'est les mesures. Les mesures, la référence des mesures dépendent de votre âge, de votre origine ethnique. Bon, alors c'est des Américains, donc origine ethnique, même si on est maghrébin, qu'on est européen, je pense qu'on peut mettre caucasien. Et de votre taille et de votre âge. Alors comment ça marche? On appuie une fois, assez longuement. Donc ça marche avec deux petites piles. Là on a le 9 qui apparaît. On prend une grande inspiration. On prend une grande inspiration. On va bien faire étanche avec ses lèvres sur le rond. Et on va souffler d'un coup. Et ça va nous donner un résultat. Donc ça donne ça. Voilà. Alors là, je ne l'ai pas bien fait parce que je suis assise et normalement, il faut être debout, bien droit. Donc, ça donne deux résultats, ici et ici. Et en fait, ces résultats, comment on les interprète? Eh bien, c'est très simple. En fait, il existe une application. Vous allez taper ça dans Apple ou dans... Si vous n'êtes pas sous Apple, le truc pour télécharger les applications. Vous allez trouver une application. Vous allez pouvoir rentrer vos données à l'intérieur. Et c'est en anglais, mais ça va vous expliquer les choses. Donc, je vais mettre dans la suite de la vidéo l'interface de l'application. Parce que il donne un site ici pour référence. Mais en fait, le site ici, il donne un site pour référence. Mais en fait, ce site ne fonctionne plus. Ça marche pas. Donc, je vais vous montrer l'application, l'interface, à quoi ça ressemble. Et en fait, avec Google Traduction... Vous faites une photo et vous faites une photo avec votre appareil photo, enfin votre téléphone. Ensuite, vous ouvrez l'application Google Translate et en fait, vous mettez traduire à partir d'une photo. Vous téléchargez votre photo et ça va vous traduire tout ce qu'il y aura écrit. Voilà. Et ensuite, vous pensez bien à désinfecter l'embout. Et voilà. Et pour faire le test, il faut se mettre debout, bien droit. Et souffler d'un coup, mais tout est expliqué. Et vous avez aussi, si vous tapez juste Sonmol PEF, P-E-F, vous allez tomber sur une vidéo sur je ne sais plus quel site. Voilà, j'espère que ça aidera, ça vous aidera. Et bon courage à tous et à toutes. Hi everyone, I just said that you have an application that you can get on your smartphone and it's going to help you for analyzing all the data. And explaining how to use it. Hola a todos, solamente para decirte que hay una aplicación que tú puedes cargar y que se va a ayudarte a entender cómo funciona y analizar las datas. Buena suerte y good luck a todos. Bye.